Dior. Christian Dior. Comment ça va? Mais maman, qu'est-ce que t'as? Mais... Ah. Coucou mes bébés, j'espère que ça va. Écoutez-moi, ça va. Là, je suis un peu fatiguée. J'ai l'architecte qui va venir à la maison aujourd'hui. J'ai honte de mes ongles. Mais je rentre à Marseille, je vais les faire à Marseille parce que là, c'est plus possible. Je sais pas ce que j'ai froid alors qu'il fait archi chaud. Genre, il n'y a même pas la clim chez moi. Je suis habillée en hiver alors que je suis à Dubaï. J'ai un pyjama d'hiver, j'ai une robe de chambre. Fait trop froid. Mes bébés, il y a l'architecte qui est venu. En fait, il est venu voir mes dressings. Parce que mes dressings, ils sont énormes. Parce que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'affaires. Et il faut que dans ma maison, il y ait toutes mes affaires qui rentrent. Sauf que ça va être faisable. Mais on est en train de se dire, le jour où je me marie, il faut aussi de la place pour mon mari. Mais genre, je vais lui laisser 1 mètre carré de dressing, hein, parce que j'ai trop d'affaires. Oh bébé, je ne me suis pas trop snappée aujourd'hui. En fait, je suis restée avec mes chiens. Comme je pars ce soir, je vous jure, je ne sais pas pourquoi. Mais à chaque fois que je pars, je culpabilise. Parce que je me dis qu'ils vont être tristes sans moi et tout. En plus, Hermès, il est tombé malade. Et du coup, ça met trop mal. Même quand je sors le soir et tout, je vous jure, je culpabilise de laisser mes chiens à la maison. Alors qu'ils sont pas seuls, hein, ils sont avec Romana. Mais je sais pas, ça m'attriste. Bref, j'ai passé la journée avec eux à leur faire des câlins et tout. Là, ils le sentent. Ils n'arrêtent pas de me coller parce qu'ils me voient avec les valises et tout. Et bref, donc là, je me suis lavée, j'ai préparé toutes mes affaires, je suis en train de finir mes valises. Enfin, mes valises, ça fait 2 jours que je les ai faites. Et je mets le reste, genre le séchoir, le lisseur, toutes les affaires que j'ai pas mis. Et là, du coup, je pars bientôt. J'ai préparé ma tenue et tout. Moi, quand je voyage, c'est legging, haut. Là, je vais mettre une doudoune. Je suis trop contente parce que je vais avoir froid, genre le froid, ça me manque. Je vais juste me coiffer parce que là, j'ai les cheveux dans un état. Oh my god. Et moi, quand je prends l'avion, j'aime pas mettre des chaussures. Je mets claquettes, chaussettes. Comme ça, je suis bien confortable. Et dès que j'arrive, je fais mes ongles. C'est pour ça que là, je vous jure, c'est la première fois de ma vie que je reste comme ça. J'ai un truc de vous les montrer. Mais parce que Emily va me faire mes ongles. Cool. Mes pupilles. Ils le sentent que je vais partir. Ça y est, mes bébés, je me suis préparée. J'ai fait mes cheveux. Moi, je comprends pas. Je m'endors, les cheveux, ils sont faits. Je me réveille, j'ai les cheveux en bêta. En fait, je crois que je bouge trop dans la nuit. Et en plus, c'est pas bon de dormir les cheveux lâchés. Faudrait que je les attache. Bref, je me suis préparée en dessous. J'ai même pas mis une trentaine dedans. Ça donc juste de la poudre bronzante et du blush. Et je fais mes cheveux. Mes bébés, je vous jure, j'ai trop hâte de rentrer à Marseille. Genre, pas que pour voir ma famille, pour faire mes rendez-vous beauté, pour faire mes ongles, mes cils, mes sourcils. Ça manque trop. Surtout mes ongles, c'est une catastrophe. J'ai trop honte. En plus, je parle avec les mains, mais j'ai honte de vous démontrer parce qu'ils sont dégueulasses. C'est la première fois de ma vie que j'ai des ongles comme ça. D'ailleurs, mon mec, ça m'a fait penser. Je voulais vous parler de ma copine Pitouchka. Elle fait des formations. Elle est super, super connue, elle est trop forte. Elle fait des formations sur le microneedling, sur le bébé glow, sur les ongles, blanchiment dentaire, rehaussement de cils. Bébé, quand vous sortez de ces formations, vous êtes diplômée et prête à exercer. Donc c'est vraiment trop bien si vous voulez être votre propre patron. En plus, elle est super connue, ces formations, elles sont trop bien. Et surtout, à prix imbattable, elle propose 3 formations pour 500 euros seulement. C'est pas cher, normalement 500 euros c'est pour une formation. En plus, ce qu'il y a de trop bien, c'est que vous pouvez commencer une fois que vous êtes formé à faire du domicile, vous mettre de l'argent de côté et ensuite vous pouvez ouvrir un salon. Et mes bébés, n'hésitez pas à la suivre sur Snap, elle partage son quotidien, elle partage plein de bons plans, des tutos turbans et tout. Elle est même en train de faire sa propre émission avec son mari. Donc je vous partage sur Snapchat.
Et toi, ma boulette. Mais qui veut jouer? Il veut que jouer. Je veux seulement jouer. Il est trop câlin. Hermès, non. Et toi, mon bébé, je sais, tu veux dire quelque chose? Oh là là, que jaloux, toi. Ah, oh, mais ça y est, tu... Hey, tu me mets ta langue dans la bouche, là, ça suffit. Mais bébé, je suis archi fatiguée. Genre là, si je me cale, je peux m'endormir, mais je pars dans une heure. Je suis épuisée et je me retiens comme ça, je dors dans l'avion et je sens pas le vol. Je déteste ne pas dormir dans l'avion. Je suis épuisée. Mais bref, je suis trop contente de rentrer, je vous jure. Ça va faire 2 ans que j'ai pas fait des fêtes en France et ça me manque trop. En plus, j'ai failli ne pas rentrer avec tous mes trucs de visa et tout. Et finalement, je rentre. Je vous jure, je suis trop heureuse. Je vous explique, mes bébés. Là, je vais archi pas rater mon avion. Je suis pas amusée à faire les magasins. Parce que j'ai envie de rentrer en France. J'aime soit les documentaires, soit les films romantiques, les biographies. Sinon, la science-fiction, les thrillers, les trucs fantastiques et tout, je déteste.